C'est trop sérieux, ça. Non, non, de l'enseigne. Visite du magnifique temple Anshan. Tout en haut du campanile, Marie accompagne les fidèles et elle frappe 3 coups de gong sur la cloche, ce qui doit lui assurer le bonheur éternel. Elle est en train de travailler, regardez là, des nuances, des couleurs, hein. C'est bien interprété, c'est juste qu'avec ces coutures-là, c'est mieux interpréter la tonalité des couleurs possibles. Le motif traditionnel, c'est donc, c'est toujours les filles coutures sur la trame, c'est parallèle, très serré. C'est juste que c'est une finesse, mais c'est quand on bouge un peu le paravent, puisque ça donnera un jus de lumière. Donc, un jus d'ombre, un jus de lumière qui passera, qui change. C'est très vivant. Mais quand... Tournez, s'il vous plaît.
robe. D'ailleurs, c'est aussi cet ensemble, comme le cadre, c'est différent. Ah, c'est un poil palissandre, bien encadré. C'est pour bien tenir la trame, tout et tout tendu. Mais vous avez encore à l'autre côté le Bouddha de la lude. Ça, c'est. Ou leur change. Leur change. Le petit bleu devient gros. Ah, c'est gros. Et ça peut tirer dans le sujet. Ça fait de ce volume, ça fait environ 8 mois. C'est en 4 catégories. Mm-hmm. Donc, partout, vous trouverez les petits, sur les petits étalages aussi les broderies, mais c'est autre chose. Et puis quand je tourne encore, c'est génial. Hein, c'est formidable. Ah, celui-là, regardez les yeux, les poils, là, je bouge. Oh, il est vivant. Il est vivant. Vas-y, moustache. Oui, exactement. C'est vraiment poupé. Hein? Et comme ce sont d'après le motif traditionnel, une peinture chinoise très connue. Et puis, le chat comme ça, l'autre côté là, regardez celui-là, les orchidées, deux couleurs. Ah, les orchidées, c'est pas. La visite de l'usine de soie de Suzhou nous révèle les merveilles que peuvent créer les artisans de l'endroit. Même les choses, on peut mettre des pinceaux, des stylos. Nous escaladons la montagne du Tigre durant la période du festival d'automne. Nous nous joignons ainsi à la foule nombreuse de Chinois qui profitent de l'occasion pour festoyer. Voilà, ici, notre ville. Il a beaucoup de peintres, sculpteurs et travailleurs. Des charbons. Vous avez le jardin, c'est sous l'influence de l'art paysager, sous l'art de peinture. Il y a aussi un autre quartier, puisque il faut les mobiliers bien travaillés, bien utilisés. La décoration, les paravents de Jeanne, les paravents de l'éventail Bonne-Séminale. Yeah.
Tout en haut de la colline, la fameuse pagode penchée, construite en maçonnerie. Si vous êtes croyant, comme Arles, votre vœu sera réalisé dans l'année prochaine. Il remue la tête. Il ramasse juste l'argent. Mais ben ça, c'est de faire un peu comme le Bouddha de richesse. C'est donc que si on touchait un peu, si on quelque pièce, on aurait une règle de pièce d'argent. Nous retraversons pour la dernière fois les canaux de Suzhou en route vers la gare pour prendre le train en direction de Shanghai.